La stèle de Merneptah, ou stèle d'Israël. Le texte hiéroglyphique de la stèle faite en Égypte décrit les victoires du pharaon Merneptah aux alentours de 1230 avant Jésus-Christ sur les Libyens et sur le peuple palestinien. La stèle a plus de 2 mètres de hauteur. La stèle de Merneptah contient l'une des plus anciennes mentions en dehors de la source biblique du nom d'Israël ainsi longtemps connue. Le pharaon égyptien s'y vantait d'une victoire contre Israël aux alentours de 1230 avant Jésus-Christ. Même si cette bataille entre l'Égypte et Israël n'est pas mentionnée dans l'Ancien Testament, la stèle démontre bien que les Israélites vivaient en effet dans la terre promise à cette époque et que leur entrée dans cette terre avait déjà eu lieu avant 1230, avant Jésus-Christ.